que je déteste, et comme ça vous le savez, et vous ne le ferez plus, c'est quand je donne les mains et qu'avec vos ongles, vous me faites très mal. Et là, je vais en coulisses et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi elle m'a fait ça? Ah, le rap, j'aime beaucoup parce qu'il défend des textes très intéressants. Et bien sûr, au niveau rythmique, ça me rappelle mes années 70. Waouh, ils vont très loin dans ce qu'ils racontent. Ce que j'aime pas, c'est justement ces textes qui incitent à la violence. Et voilà, je trouve que c'est dommage d'en arriver jusque-là. La chanson française, oui, je la connais par cœur. Tous les 3-4 ans, il y a une nouvelle chanson française avec de nouveaux chanteurs. Voilà, et puis il y en a beaucoup qui font avancer les choses. Actuellement, il y a des chanteurs qui sont pas mal du tout. Julien Doré, oui, c'est pas mal. Slimane, oui, c'est pas mal. Voilà, ce sont des gens qui amènent une nouvelle couleur. Et voilà, ce que je leur souhaite, c'est de rester le plus longtemps possible, parce que c'est un métier très difficile. Je ne sais pas s'il y a des choses que j'aime pas dans la chanson française, dans la mesure où je suis tout public, en fait. Je peux passer, par exemple, de la danse des canards, j'invente, hein, oui, à n'importe quelle chanson, à une chanson de Barbara, une chanson de Brel. Et donc, voilà, j'ai du mal à dire que j'aime pas. Dans chaque artiste français, il y a toujours eu quelque chose d'intéressant. Dans les tournées, dans les spectacles, ce que j'aime, ben, c'est la rencontre avec le public, cette communion pendant ces 2 heures. C'est un moment magique qui, moi, me... Waouh ! Quand je rentre dans mon hôtel, j'ai du mal à m'endormir. Tout me revient en mémoire jusqu'à 1, 2, 3 heures du matin. Ce que je n'aime pas, c'est tous ces voyages qui sont fatigants. Et les avions, et les voitures, et les 3 heures de route, et les 4 heures de ceci, et les 7 heures de cela. Waouh, ça c'est très dur. Ben, à partir du moment où on prononce le mot fan, ça veut dire qu'elles adhèrent à votre rêve, à votre passion, elles adorent vos chansons. Donc je trouve ça extraordinaire. Ce que je déteste, et je déteste vraiment, hein, et comme ça vous le savez, et vous ne le ferez plus, c'est quand je donne les mains et qu'avec vos ongles, vous me faites très mal, me faites saigner. Et là, je vais en coulisses et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi elle m'a fait ça? Dans la nourriture italienne, ben, j'aime les saveurs qui me rappellent mon enfance d'abord. Je pense que chacun de nous a en mémoire un plat, des saveurs qui nous poursuivent toute la vie. Ça peut être une sauce bolognaise, ça peut être une sauce napolitaine. Voilà, j'aime cette simplicité de... des plats italiens. Ce que je n'aime pas, une chose, voilà, je suis allé en Sicile dernièrement, ça commence par les mises en bouche, ça continue avec les spaghettis, ça continue avec la viande, ça continue avec je ne sais pas quoi, et la pizza. Je n'aime pas cette abondance de 5, 6 ou 7 plats, de penser que plus tu vas cuisiner et plus tu vas faire plaisir, parce qu'après, une fois que tu as mangé petit plat de spaghettis et un morceau de viande, tu n'as plus faim en fait. En fait, quand ils le font, c'est le cœur qui parle. Hein. Mais voilà, c'est dommage parce qu'on ne mange pas tout. Ben, j'aime plein de choses. Par exemple, je dis à ma femme, nous allons aller manger des moules frites à la côte belge. Et donc, on prend la voiture, on passe un week-end. Voilà, on sait qu'on va aller manger des moules frites. Moi, je suis enfin gourmet, j'aime tous les plats. J'aime les moules frites, j'aime, je sais pas, des fois elle fait des carbonades flamandes. Je mange pas qu'italien, c'est pas vrai. Dans les plats belges, il y a des plats magnifiques. La cuisine belge, elle est très riche, elle est très intéressante. Suivez Bell RTL sur les réseaux sociaux et sur bellertl.be.